m'appelle Ladjli, je suis réalisateur du film Les Misérables. Et donc, on est ici à Zurich pour le festival. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein. C'est un film qui parle avant tout de la misère sociale. C'est un film qui parle de la place de l'enfance dans ces territoires difficiles en France, mais pas que, parce que j'estime que c'est un film qui est universel. Et c'est un film qui parle aussi de violences policières. Contrôle de police, vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça. Eh, hey, c'est bon, on se dit. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? Alors le point de départ de ce film, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai filmé une bavure policière. Et suite à cette vidéo que j'ai diffusée sur Internet, il y a eu une enquête de l'IGS, des policiers qui ont été suspendus. Donc c'était une première en France, le fait que des policiers soient suspendus suite à une vidéo diffusée sur Internet. Donc c'est le point de départ de mon film Les Misérables. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Bah, les avantages d'un tournage en banlieue, en tout cas ma banlieue, parce que j'ai grandi là-bas, l'avantage, c'est que je connais tout le monde, clairement. Donc, ça a été très facile, clairement, à tourner. On n'a vraiment eu aucun problème. Hein. On a tourné pendant 6 semaines et tout s'est bien passé, sachant qu'on a fait bosser beaucoup de gens qui habitaient dans ce quartier. On a fait tourner toute la figuration venait de ce territoire, donc il y a plutôt que des avantages. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut. Bah, comme je dis, j'habite dans ce territoire et j'ai envie de témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de ces banlieues. C'est ce qui me motive de dénoncer les conditions de vie des habitants. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi, la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.